bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure sur Alone in the Dark, évidemment toujours sur PlayStation 5. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir évidemment. Et on s'enfonce de plus en plus dans l'horreur et ça fait plaisir. On aime l'horreur, on aime le survival, on aime évidemment le survival horreur, vous l'aurez compris. Tiens, que se passe-t-il ici même? Sur le chemin de l'hôtel, la bande à Morton m'a rattrapé. Je leur devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Je me souviens même plus pourquoi. Probablement une stupide dette de jeu qui grossissait à chaque paiement manqué. J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux. Et les autres ont pris la fuite. C'était une décision stupide. Je me suis chié dessus à rien vrai. De plus nombreux en plus. Ah. Foncez dedans, hein. Vague suivante. Vague suivante ou pas? On va prendre ça. Bon. Salopard, coup de chandelier dans ta mère à toi. Hein. Coup de chandelier dans ta mère à toi. Hein. Je rigole, mon frère. Oh non, mais c'était son coup baroud d'honneur. C'est pas juste. Tiens, on fait une gueule. Faudra vraiment que j'abandonne ce putain de pistolet de merde. Allez, un petit soin là, les frères. Ils veulent pas. Ah ouais, mais là je fais trop le tug. Ça va pas du tout. Un petit soin? Ils veulent pas. Oh, 23 balles, oh là là là. Quand tu sens que t'arrives au boss final, sans dire que t'arrives au boss final. Allez, c'est parti, tiens, un petit coup de sonnette et on y va. Let's go. Oh, waouh. Ok, j'avais besoin d'une serviette. Pour éponger la sueur. Ok, une facture d'hôtel. Il y a un truc avec les sonnettes dans le jeu, les gars. Vraiment, hein, j'insiste. Oh, 8 cartouches de... Non, là, c'est trop. Je l'avais retrouvé. Sur le registre de l'hôtel, j'avais reconnu l'écriture de Ted Stryker. C'était lui, je le sentais. C'était le kidnappeur que je traquais. J'ai enfilé mon poing américain et je me suis précipité dans sa chambre. Oh. Ok. Le nom de Ted Stryker me dit quelque chose. Il m'est vaguement familier. Waouh. Waouh. Ok, le fil rouge va là, mais je me dis peut-être. Non, et là je me dis peut-être. Non plus. Ok, direction Ted Stryker. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, petite salope, ça fait le fou? Je reconnais cette pièce. Ok. Carte de visite. Mais je les ai pas retrouvés ici. J'ai dû les suivre. Mais où? Waouh. Ok, avec toutes ces preuves... Ça me paraît gros quand c'est entouré en rouge comme ça. Je pense savoir. Ouais. Bah, sans déconner. Ah! Alors, attendez. La school.
Derceto. Ok. Facture. Un certain Ted Stryker a loué une chambre 4 nuits à l'hôtel Saint-Georges. Très bien. L'hôtel Saint-Georges, où il peut être d'après vous, les petits pères? Une note indique 350$ pour le Kingsport. Non, Thornhill, c'est là. Thornhill Gallery. Ça. Voilà. La school. Je dois être teubé. Thornhill, The Art Gallery, c'est là. C'est pas possible. La Nouvelle-Orléans, Louisiane. Tennessee, Floride, c'est là. C'est ça que je piche pas. C'est ça. Il était en train de s'enfuir. En fait, je sais pas il dans quittait quel son sens. Ancienne vie et c'est son épouse à la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de mener une vie meilleure à Tallahassee. Il avait emmené sa fille avec lui, contre la volonté de la mère. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai retrouvé au pont de Pearl River. Ah. Direction le pont, donc. Pearl River. C'est là que je les ai rattrapés. C'est ce souvenir que l'homme ténébreux voulait que je revisite. Mais je le vois toujours pas. Qu'est-ce que j'oublie? C'est un sacré pont, qui plus est. Avec le bateau, tout commence à se relier. Attends, j'ai gardé le pistolet quand même. Sur un malentendu. Putain, je suis sacrément amoché, hein, les petits pères. Je commence à être sacrément amoché. Ok, ça a l'air d'être une ligne droite. Jusqu'ici, tout va bien. Pour moi, faut aller sur le pont, non? Waouh! Alors attendez. Beaucoup d'alternatives. Et je suppose très peu de réponses finalement. Est-ce que par là on a peut-être pas un secret, quelque chose? Non, je sais pas. Un indice, un plaisir. Ah! Oh! Ah! Oh! Un totem! Je crois que j'ai pris un coup, mais je suis pas sûr. Fais chier. Il est temps de cartoucher des merdes. Je voulais pas en arriver là, mais là ça devient chiant. C'était évident que ça sentait le traquenard, mon cher Colby. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du sang? J'adore. On y va. C'est forcément intéressant quand il y a du sang. Encore un chandelier. Mais que fait un chandelier ici même? Oh non. Merde alors. C'est un raccourci qui rallonge. Ok. Le jeu doit être, à mon avis, en changement de difficulté, bien compliqué. Très bien, mon cher Cornby. Direction le pont, je suppose. Je suis pute. Ouais, je vais dans des endroits improbables, je sais pas pourquoi, j'aime ça. Allez. Oh non. C'était elle depuis le début. Oh.
J'arrive pas à croire que je t'ai pas reconnue. J'imagine que j'étais un peu différente à l'époque. Est-ce que tout ça est vrai ? Comment ça ? Cette journée a été... Il s'est passé tellement de choses. J'arrive pas à... Je crois que j'ai perdu la tête. Je dois te présenter des excuses. Parce que... Je suis désolé. Je sais pas comment t'expliquer tout ça. T'es qu'une enfant, Grace. Vraiment désolé. C'était pas mon intention. Des mensonges. Encore des mensonges. Non, vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien en te confiant à ta mère. Je savais pas... Je pouvais pas savoir qu'elle se soucierait pas... de toi, Grace. Je sais pas comment ça fonctionne. À quoi ça sert ? C'est une forme d'aveu, de culpabilité, d'acceptation. C'est ce que veut l'homme ténébreux. Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir. Tu crois qu'il est encore en vie ? Non, je le sais. Il est là en bas. Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir, de se noyer à nouveau avec sa fille. Qu'est-ce que tu dis ? Nous devons le sauver ! Nous ? Faites-le vous-même. Moi, je suis en bas avec lui, vous vous souvenez ? Ok... Est-ce que je peux vraiment les sauver ? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je dois trouver un moyen de descendre. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Attendez, mais ça se trouve, je suis déjà mort, en fait, je suis face à mes problèmes. Il y avait un bateau près de la maison dans laquelle je suis entré. Si j'arrive à lever le pont, je devrais pouvoir atteindre la voiture. D'où le bateau bloqué dans le bayou. Oh là 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 là, c'est terrible tout ce qui se passe. Hop, on va sortir le gros peupon. Maintenant ça va chier. Ok, il y a une lumière, j'y vais. J'adore aller là où il y a de la lumière. Ok. Et bon, ça me stoppe un peu là, les corbeaux de mes couilles. Yes, j'aime bien. Ah ah! Il y a une petite maison. Oh waouh! Ultra impressionnant. Oh merci. C'est sûrement l'endroit depuis lequel le pont est actionné. Ok, let's go! Allez, c'est parti! Il se passe rien. C'est comme si quelque chose le retenait. Ah! Oui, frère. Est-ce qu'on va être face à nos problèmes ? Attendez, parce que là, je l'ai pas. Avait précipité trouvez un moyen de relever le pont. Du... Je suis keblo là, mais je comprends pas, je dois pas tirer là-dessus. Ben non. Là, ça me bloque, ok. Là-haut, il y a quelque chose. Encore en hauteur. Il n'y a pas d'accès, j'y vois pas d'accès en tout cas. Merde alors! Je ne l'ai pas.
Et j'ai pas envie de perdre du temps sur une énigme qui a l'air... Waouh! Toujours plus! Je devrais pouvoir conduire le bateau flou. Wouh! Ça fait mal. Non, c'est trop! Là-haut. Waouh, comment ça me soulève. Je peux pas me faire attaquer sur mon échelle quand même. Les gars. Comme eux-mêmes. Oh non, ils sont encore là, mais c'est infernal. Vous êtes des forceurs. Allez, on se barre. Carnby, est-ce que vous allez bien? Me laissez pas seul. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Que se passe-t-il ici? Regardez cette pagaille.
Je suis navrée, Madame Thompson. Ne m'obligez pas à vous faire jeter dehors. Maintenant, sortez. Hé, détective. Monsieur Carnby. Je m'inquiète vraiment pour vous. Je vais bien. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle un moment. Cet endroit, c'est... Il y a des gens très perturbés ici. Et je ne parle pas seulement des patients. J'ai lu des choses sur la façon dont Derceto fait sombrer les gens dans la folie. Ça pourrait expliquer... des choses. Quoi ? Vous... reposez-vous, d'accord ? Je vais trouver un moyen de m'introduire dans les appartements du docteur Gray. Je veux savoir ce qu'il cache. Emily, n'ayez crainte. J'y suis presque. Je vais tout arranger. Vous faites attention à vous. Donc si on joue, je lui ai volé son enfant et je l'ai laissé se noyer. Donc si on joue la fille, donc Emily, c'est juste, c'est exactement le même scénario en juste inversé. Ça me paraît bizarre, j'aurais mis avec un pompe et tout, tu vois, je sais pas. Waouh. Attendez, parce que les gars, ça m'a déstabilisé tout ça, là. Pas question que j'entre là-dedans. Rendre visite. Elle en a clairement assez de me voir. Ok. Oh, waouh. Oh, waouh, ce changement d'ambiance... rendez visite au Dr. Gray dans son appartement. Ah ah. Il reste des choses qu'on n'a pas fouillées derrière quand même. Hein. Nickel. Allez, ça dégage. Dans son appartement, bah c'est couloir à droite alors. C'est là. On y est. L'appartement du Dr. Gray. Ah, ça s'est ouvert, c'est très sympa ça. Ok. Oh waouh, c'est super mystique. Détective, je suis vraiment heureuse de vous voir. Fermez la porte à clé. Le docteur Gray ne serait pas ravi de nous voir fouiner ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout me paraît tellement étrange. Oh! Le passé comme présent! Aidez Emily! Ok, les gars! C'est caméra fixe, comme Resident Evil, et comme les tout premiers Alone in the Dark. Incroyable! Faux livre! Ok, superbe. Il manque un livre. Et ben voilà! Qu'avez-vous fait? J'étais juste en train de réorganiser les livres. Allons-y alors, allons examiner ça. Oh, ça sent le giga clin d'œil quand même. Hein. Ça sent le giga clin d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Talisman joué. On en a pas mal. Hein. Mourir dans la dignité, on a que dalle. Mais il y en a, on en a pas mal. La malédiction des Hartwood, il y a des trucs qu'on a. Des barres, attends, je peux pas sortir les armes, dommage. C'est l'ancienne vue, c'est trop drôle. Ça me fait kiffer, voilà. Je crois que je commence à comprendre. Le docteur Gray fait face à une sorte de délire de masse. Que voulez-vous dire par délire de masse ? Derceto semble avoir un effet perturbateur sur les personnes qui vivent aux alentours. L'histoire de la ville est marquée par la création de sectes vouées à une déesse de la nature. Le nom même de Derceto fait référence à un culte qui existait ici avant la guerre civile. Derceto était le nom d'une déesse de la fertilité antique adorée en Syrie. Toutefois, le docteur Gray et ses amis semblent préférer la chèvre noire des forêts aux mille chevreaux ou Choub Niggurath.
Et ce nom ne peut être sorti que de l'esprit tordu de mon oncle. Alors, il paraît que tout ça est inspiré, évidemment, d'œuvres lovecraftiennes. J'avoue ne pas avoir une connaissance dans ces œuvres-là. J'ai dû lire un seul roman à l'époque, et ça fait bien longtemps. Cette marque sur le sol, on dirait des positions du talisman. Mais de quel côté dois-je le regarder ? Mais c'est vrai que tout ça... Oh ! Heureux de vous rencontrer enfin, Monsieur Hartwood. Je suis ici à la demande de votre frère Philippe. Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes de Dersetour, c'est bien ça ? C'est exact. Je voulais vous poser quelques questions, voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider, vous et votre famille. D'accord. Je crois comprendre que vous avez une imagination débordante, que vous inventez beaucoup de choses. Je suppose, oui. Et que ces choses vous obsèdent. Que la réalité et la fiction se mélangent. Parfois. Voudriez-vous bien me parler de l'homme ténébreux ? Non. Non, je ne veux pas. D'accord. Peut-être y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire ? Quelque chose que vous savez avoir inventé, mais qui vous tient à cœur ? Juan ? John ? Qui est John ? Non, Juan Luis Jorge. Attendez un instant. Tenez, regardez. Est-il... Oh, c'est l'auteur. C'est un livre magnifique. Un livre qui a bouleversé ma vie, même. Le véritable Juan est mort depuis longtemps. Mais j'aime le considérer... comme mon ami le plus cher. Je vois. Faites-vous cela souvent. Imaginez des fantasmes autour de personnes que vous découvrez au travers de livres. Non. Non. Enfin, il y a Jacob. Qui est Jacob ? Allez à la dernière page, docteur. Oh, c'est un article paru dans un journal. Le prisonnier des glaces, Jacob Van Ostad. Est-il votre ami le plus cher, lui aussi ? Oh non, docteur. Aucunement. Il est le feu qui combat le feu. Oui. Je pense qu'il ne fait aucun doute que nous devons tempérer votre imagination stimulée à l'excès. Cette manie, n'est-ce pas ? Ainsi, vous pourrez mener une vie normale. Je sais que votre famille l'appelle la malédiction des Hartwood, mais je veux que vous sachiez que votre état n'a rien de surnaturel. Tout cela se déroule dans votre esprit, et je suis très qualifié pour m'en occuper. Avec le temps, vous guérirez. Avec le temps. Avec le temps. Oui. Avec le temps, nous exorciserons tous vos démons. Tous les hommes ténébreux. S'il vous plaît, Monsieur Hartwood, calmez-vous. C'était quoi ça ? Oh, ne vous tracassez pas, Mademoiselle Hartwood. Votre oncle et moi venons de franchir notre premier cap ensemble. Ok. Ouais. Comment fermer la clé que je n'ai pas ? La dague du serpent, une monographie de Yael Klein. Dans l'ouvrage de Ludwig Prin, consacré au rituel païen, intitulé « The Mystery of the Grave » et traduit par Nicolas Vary, il est fait mention à plusieurs reprises d'une dague sacrificielle, appelée « dague du serpent ». On a longtemps considéré qu'il s'agissait d'une traduction erronée du texte original, et qu'il serait plus approprié de parler de « dague du ver », du latin « vermis cultrum ». Cela semble naturel, si l'on en croit le récent consensus, selon lequel le titre original de l'ouvrage de Prin, De Vermis Mysteriis, devrait se traduire littéralement par « le mystère du ver ». Cependant, cela enlèverait à Vary l'immense effort qu'il a réalisé pour restituer la signification intrinsèque des mots et révéler plusieurs croyances culturelles.
Cyprine a certainement utilisé le terme « vert » en tant que symbole ou synecdoque de la mort et des défunts, ce que démontre clairement le contenu du livre. Dans le cas de cette dague, nous aurions tort de rejeter hâtivement sa traduction. À la lecture de la correspondance qu'entretenait Vary avec son mécène, il apparaît que Vary ne disposait pas uniquement du texte latin. Il avait retrouvé les parents vivants de Prine, et avait découvert plusieurs textes historiques référencés dans différents ouvrages, ainsi qu'une véritable dague du serpent. Cette dague, datée du début du Moyen Empire égyptien, possédait une forme de vague tellement évidente que Vary envisagea de l'appeler lame sinusoïdale. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, il semble prudent d'affirmer qu'il ait opté pour la traduction de serpent plutôt que ver. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce choix de terminologie nous aide à comprendre les païens qu'aspirent à décrire l'ouvrage de Prine. La valeur symbolique de la forme devient plus évidente lorsqu'on s'informe sur l'utilisation de la dague. Dans le passage consacré à la possession et l'exorcisme, nous lisons « La dague du serpent empoisonne l'empoisonneur présent dans la victime. La victime s'en trouve ainsi soulagée. » Là où le texte, au sens littéral, nous apprendrait que la dague du ver triomphe du démon ayant pris possession de la victime, il ne nous apprend rien sur le raisonnement de ses créateurs. Tout ce qu'on sait, c'est que cette dague triomphe du démon, comme si elle possédait la meilleure main au poker. La traduction de Vary nous permet de suivre la logique sous-jacente de la magie rituelle qui est exécutée. Empoisonner l'empoisonneur, cela revient à combattre le feu par le feu. Pour triompher du démon qui possède sa victime, les prêtres doivent riposter avec un pouvoir connu du mal qu'ils combattent. La dague du serpent n'est donc pas seulement une façon pertinente de décrire sa forme, mais ce nom nous aide également à comprendre pourquoi elle peut être considérée comme un outil utile pour l'exorcisme. Enfin, son nom nous aide également à comprendre le rapport des prêtres à la folie. Celle-ci était considérée comme un poison pour l'esprit, plutôt que comme une force qui aspirait à en prendre le contrôle. Il est également intéressant de noter que les possédés sont toujours considérés comme empoisonnés dans leur esprit, plutôt que dans leur cœur. La dague du serpent devait toujours traverser l'œil du possédé, ce qui le laissait partiellement aveugle, s'il avait la chance de survivre. Ok. Bah, de l'exorcisme, c'est on ne peut plus classique, ça fait plaisir. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et on se retrouve très bientôt pour la fin de notre aventure avec l'épisode 14. Je pense qu'on se rapproche de la fin, là, les gars. Je pense très sincèrement qu'on se rapproche de la fin de notre aventure. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, encore une fois, j'aime le commentaire. Bye bye tout le monde.